Voilà, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Si vous ne pouvez pas les bruits, hein. Je suis en train de travailler. Voilà, je suis à la maison. Je suis à la maison. Qui me suit là? Bonsoir. Si quelqu'un m'écoute là, essaye de me faire signe. Il pleut là. Il pleut pas ici. Bonsoir à tout le monde. Essayez un peu de partager, s'il vous plaît. Partagez. Mais les gars ne sont pas connectés. Ah. Mon Facebook n'a pas encore assez de public. Voilà, c'est un peu le partagé. Je vais commencer bientôt, hein. Et je rappelle que c'est un direct concernant la formation. S'il vous plaît, posez-moi les questions concernant la formation. Parce que il y a des gens qui vont venir ici me poser les questions sur la vie des autres, la vie des gens. Donc, c'est spécial formation. Eh hey, les gars, posez-moi la question en ce qui concerne la formation, s'il vous plaît. Essayez un peu de partager, s'il vous plaît, partager. On va bientôt lancer, partager. Partager. Connectez-vous les gars, connectez-vous. Direct est déjà lancé. Connectez-vous et partagez s'il vous plaît. Je suis à la maison, hein. Et il pleut. Il n'y a pas assez de. Donc, je ne sais pas si le son passe. Connectez-vous. Bonsoir. Oui, je te vois. Bonsoir, mon ami. C'est fils quoi, Bamogoum? Je te vois. Partagez, s'il vous plaît. Partagez le direct. Qu'on avance. Oui, je te réponds. Tu n'as pas posé de questions. Tu me dis juste bonsoir. Je te vois. Fils Bamogoum, je te vois. Voilà. Merci pour les cœurs, mon frère. Merci. Merci pour les cœurs. Essayez un peu de partager, s'il vous plaît. Connectez-vous, hein. Voilà. Connectez-vous. Je vois les gens qui partent plutôt écrit sur WhatsApp. Nous sommes en direct. Vous partez plutôt écrit dans le groupe WhatsApp. Comment? Connectez-vous. Salut Roméo. Salut Stéphane. Raphaël Rafa. Bonsoir. Connectez-vous.
Où sont même les gars de Douala là même? Donc je lance même une formation gratuite comme ça là. Je dis même qu'il y a un direct. Les gars ne sont même pas là pour me poser les questions. Après vous allez venir me perturber. Vous allez venir me perturber dans les groupes. Hein. Les groupes WhatsApp me poser des questions qui n'ont pas de sens là. C'est le moment de poser vos questions maintenant. Merci pour le cœur, mon frère. Merci pour le cœur. Sio Franco. Rodrigue, c'est comment? Mais mon frère. Toi, tu as ben, tu ne nous gères pas comment, mon frère. Envoie-nous aussi les zéros. On voit la couleur. Hein? Rodrigue, je te vois, mon frère. Je te vois. Merci. Merci. Partagez. Livio Pocam. Merci pour le cœur, mon frère. Merci pour le cœur. Un que le voyageur déjà en poste. Rodrigue, c'est comment? Ouais, mon frère. Partager. Essaye un peu de me partager un peu aussi dans les WhatsApp et le reste là. Voilà. Je crois que je vais commencer avec le peu des gens qui sont là. Rose. Hey. Salut, tu prends quoi à la copine de Steve? Je ne connais même pas la copine de Steve. Et je vous ai dit que le direct n'est pas pour parler des gens. Roméo Stéphane. J'ai dit, c'est pour parler de la formation. Ok, Roméo, d'accord, ok. D'accord, merci. Vous venez me parler des... Moi, je vous ai dit, je suis un blogueur et j'ai deux concepts pour ceux qui ne savent pas. Il y a 5 minutes de rire pour faire rire. Il y a le buzz du jour. Le buzz du jour, c'est pour toutes les actualités qui sont à la une, qui font le buzz. Donc, moi, je cale encore sur Steve parce que tout ce que Steve fait, Steve est en actualité maintenant avec tout ce qui fait le buzz. C'est pour cette raison que moi, je continue à faire le buzz dessus. Je n'ai rien à voir avec tout le reste là. Je n'ai pas de problème avec qui que ce soit, non. Donc, je suis désolé. Donc, on va commencer. Voilà, j'ai lancé une formation gratuite pour 150 jeunes. Donc, 50 par ville. Et à Bafoussam, Yaoundé et Douala. Mais cependant, je constate que ce sont les gens de Douala qui sont un peu motivés. Parce que depuis que j'ai lancé la lettre, le groupe que j'ai créé, je constate qu'il y a plus de 80 personnes. Ou c'est 85 personnes. Mais parmi les 85, je pense que il y a 75 venant de Douala. Et le reste des 10, c'est le mélange de Yaoundé et Bafoussam. J'ai comme impression qu'on ne me suit même pas encore bien au Cameroun. Bon, j'enlève d'abord mon casque. J'étais en train de suivre la musique. Voilà. J'ai comme l'impression qu'au Cameroun, on ne me suit même pas encore. Hein. Les gens ne m'écoutent, mais les gens ne regardent pas mes vidéos au Cameroun. J'ai comme l'impression que ce sont les Benguistes qui regardent, puisque j'ai reçu au moins 200. Au moins 200 personnes m'ont contacté pour la formation en ligne. Mais la formation n'était pas destinée pour... Donc la formation n'est pas en ligne. Donc peut-être on va réfléchir pour ça autrement. Pour la formation en ligne. Mais pour l'instant, la formation c'est... au pays. D'autres m'ont posé la question à savoir s'ils sont tchadiens, congolais et s'ils sont étudiants au Cameroun, s'ils peuvent profiter de la formation. Bon, si l'effectif, vous pouvez avoir la chance, si l'effectif n'atteint pas, si on n'atteint pas les 50, puisque avoir 200 personnes dans le groupe ne signifie pas que les 50 vont remplir les conditions, puisqu'il y a des petites bases, les petits trucs qu'il faut pas financer. Financière, mais il faut au moins les petits trucs pour pouvoir suivre la formation. Donc la formation c'est déjà l'âge, c'est entre l'intervalle 25 ans à 45 ans. La formation déjà 25 ans à 45 ans. Et il faut avoir un laptop
Oui, il faut avoir un laptop. Même un cordio, ça peut aller. Ceux qui me posaient la question à savoir si les PB, les PVB ne peuvent pas, les amis, je suis désolé. Mieux encore venir avec le téléphone, mais comment ne forme pas avec le téléphone. Donc les PB ne peuvent pas supporter les deux logiciels. Là sont les logiciels vraiment gourmands. Ça pèse. Adobe Photoshop. Merci, merci pour ceux qui like. Merci pour les cœurs également. Je suis l'exception, bro. Je suis à Yaoundé. Et aussi un membre du groupe WhatsApp. Oui. Oui. Donc, la formation à Douala, c'est le 28 juin. Le 28 juin. Ce mois-ci. Dans la fin de ce mois, 28 juin, c'est 5 jours de formation. 5 jours. Donc, de lundi, mardi, mercredi, vendredi. Lundi à vendredi. Bon, ça peut arriver juste à samedi. Je n'ai pas dit que PB c'est un jouet. Mais j'ai dit que pour ces logiciels-là, PB c'est un jouet. Oui, je te vois, Mireille. Oui, je te vois. J'ai dit PB c'est un jouet. Pardon, pardon, pardon. Je n'ai pas dit que PB c'est un jouet. J'ai dit que PB ne peuvent. C'est un jouet pour les deux logiciels. Ce sont les logiciels professionnels. Donc voilà. Ça ne peut pas supporter. Ferme pour la porte là. Il y a le vent là qui dérange. Il pleut ici, hein. J'espère que le son passe bien. Voilà donc la formation, c'est au collège. Puisqu'il y a le collège et il y a l'école Dauphine à Dorbon. Beaucoup de courage, bro. À Banga, go. Merci beaucoup, mon frère. Donc il y a l'école primaire et il y a le collège. La formation va se tenir au collège. Dans la salle de conférence au collège. Voilà, on est en train de mettre tout en place pour installer les prises. Il faut avoir à la base le logiciel installé. Les deux logiciels, Adobe Premiere Pro pour les montages vidéo. Adobe Photoshop pour le traitement d'image. Et les gens qui me posaient les questions, j'ai commencé à mettre les vidéos sur le webcam pour commencer, pour former déjà les jeunes et tout. Je tenais à vous rappeler que, donc même avec le clou, ça ne peut pas aller. Rodrigue, ouais, pardon mon frère, ce n'est pas. On pourra faire un direct pour blaguer, pour jouer, pour s'amuser, mais pour l'instant, c'est vraiment sérieux. C'est du sérieux, il faut qu'on gagne vraiment en temps. C'est du sérieux. Ce n'est pas une blague qu'on a fait faire, Rodrigue. Pose-moi les questions vraiment qui concernent la formation et des questions pertinentes. S'il te plaît, mon frère, mon cousin. Cousin! Voilà, je disais donc que les gens me posaient la question à savoir la formation, c'est. Tu as commencé à influencer quand juste tu formes déjà les gens. Oui, c'est, je suis un nouveau influenceur. Mais ça ne demande pas trop de temps, hein. Ça ne demande pas trop de temps. En fait, je forme, écoutez bien, je ne forme pas les gens pour être influenceurs. Il faut que vous compreniez bien. Je ne forme pas les gens pour être influenceurs. Je forme des gens pour leur donner un peu d'emploi. Donc, pour connaître au moins se faire quelque chose. C'est pour cette raison que je vous dis à la base, il faut installer les deux programmes dans le logiciel. Parce qu'on n'aura pas le temps. Le premier jour, les premières minutes qu'on entre dans la salle, c'est directement, on démarre directement avec la formation. Et c'est purement pratique. Peut-être d'autres peuvent venir avec des cahiers, des stylos, peut-être pour noter certains trucs. Mais le cours est purement pratique. C'est vraiment pratique, les gars. Le cours est pratique. Donc on va plus pratiquer. Il n'y aura pas de temps pour faire trop des écrits. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, on doit aller vite. Et j'ai prévu des tutoriels. Pour ceux qui savent les tutoriels, j'espère que vous connaissez ce qu'on appelle les tutoriels. Les tutoriels sont un peu comme des exercices, des petits TD qui pourront vous permettre de vous exercer après la formation. De passer à la. Il vous faut d'abord les bases. Il vous faut d'abord les bases. Quand vous avez les bases maintenant, vous pouvez utiliser maintenant les tutoriels pour vous perfectionner. Donc,
le montage vidéo, vous voyez par exemple, comme je monte mes trucs, mes petites vidéos de 5 minutes de rire là, c'est avec le logiciel Adobe Premiere Pro que je fais ces montages là. Vous comprenez un peu? Merci Rodrigue. C'est avec ce logiciel là que je fais les montages. Donc je vous forme comment. Donc je vous forme de telle sorte que vous pouvez aller couvrir vos événements. Vous pouvez filmer et revenir monter chez vous-même. Vous comprenez un peu? Vous pouvez filmer et revenir monter sans souci. Voilà. Et les photographes qui passent leur temps à aller chez les monteurs là, pour qu'on monte leurs événements qui couvrent là. Donc, c'est l'occasion pour vous de profiter de cette formation. Là, vous apprenez à monter vos propres vidéos quand vous filmez. Et maintenant, en ce qui concerne Adobe Premiere Pro, vous voyez les banderoles, non? Les affiches publicitaires là. Comme vous voyez un peu les plaques numériques là. Voilà. On monte tout ça avec Adobe Photoshop. Donc, la formation, ce n'est pas pour être influenceur. Je rappelle encore. 5 jours, c'est costaud, hein? 5 jours de pratique, c'est du lourd. Oui! Oui! Oui, oui, oui. Ce sont des logiciels vraiment costauds, hein? Oui. Ce sont des logiciels vastes. 5 jours même, c'est rien. Mais juste que je veux vous montrer les bases. Merci, merci pour les cœurs. Les cœurs, merci. Mettez les cœurs, les gars. Ah, 100 personnes, hein. Ah, 100 personnes qui voient en direct avec moi. Bon, avec le temps, ça va aller. Donc, je viens de créer ma page Facebook. Ça va aller. Ça va aller. D'ici quelques mois, on pourra faire des directs où il y a les 10 000 vues et autres. Voilà. Et surtout que ces directs concernent la formation. Donc, beaucoup ne s'intéressent pas trop. Si c'était un direct JAPAP, je devais avoir là, plus de 500 personnes ici. Mais c'est spécial formation. Donc, pourquoi j'offre cette formation à ces jeunes? Bon, c'est juste une manière pour moi de contribuer au développement de notre pays. Et ceux qui me demandent, je me suis formé où pour former les autres là. Vous me posez souvent des questions que je ne sais même pas comment répondre. Déjà, est-ce qu'il faut se former quelque part pour venir former les gens? C'est une question, hein. Donc, si moi j'ai appris, je peux télécharger mes choses sur Internet. L'Internet, le monde d'aujourd'hui est avancé. La technologie a avancé. Je peux télécharger les cours sur Internet, je me forme. Donc, si je télécharge les cours sur Internet, je me forme et que je maîtrise, je ne peux pas aider celui qui n'a pas les possibilités de télécharger ses cours sur Internet. Je le forme aussi. Hein? Ah. Donc, de toutes les façons, je me suis formé dans un centre de formation professionnelle de la place. À l'époque, c'était à l'Ixono en 2011. Voilà. Après le bac en 2009. Étant à l'université, j'ai suivi la formation en infographie et multimédia. Et après, j'ai été recruté dans ce même centre-là parce que je maîtrisais beaucoup de trucs. J'ai maîtrisé ma formation. J'ai formé pas mal de jeunes dans ce centre. J'ai formé plus de 3000 jeunes dans ce centre. Et j'étais sollicité dans d'autres centres. Je ne veux pas faire la publicité ici. Elles ne m'ont pas payé pour ça. Donc, quelqu'un me demande formation de quoi? Tu viens de te connecter, mon frère. On a dit formation sur deux logiciels, montage et vidéo. Et le traitement d'image. Quand les gens entendent le traitement d'image, ils se posent la question, c'est quoi le traitement d'image? Il y a deux types de traitement d'image. Il y a ce qu'on appelle le traitement physique. Il y a ce qu'on appelle le traitement chromatique. Je m'explique. C'est quoi le traitement physique? Le traitement physique, c'est, par exemple, vous me voyez un peu avec les boutons, non? Avec le logiciel Photoshop, j'enlève tous mes boutons. Avec le logiciel Photoshop, je fais le make-up. Comme les filles passent au temps à faire le make-up, lisser le visage et tout le reste. Avec Adobe Photoshop, je suis dans le cadre du traitement physique. Mon habit est déchiré, je couds. Mon habit est sale, je lave avec le logiciel Photoshop. C'est ça le traitement physique. Maintenant, quand on parle de traitement chromatique, ça parle des couleurs.
Les traitements des images avec des couleurs. Vous comprenez? Merci pour le cœur, merci pour le cœur, merci, merci, merci beaucoup, merci. Merci, merci pour le cœur. Quand on parle de traitement chromatique, donc maintenant, vous voyez le monde en haut. Ça a plusieurs couleurs. Le bleu, le rouge, le jaune, ainsi de suite. Je peux décider que la bande rouge ici devient plutôt bleue. Je peux avoir une veste noire. Je change la couleur de ma veste en bleu à partir de logiciel Photoshop. Oui, merci, merci, monsieur, monsieur Takam. C'est vraiment intéressant d'offrir cette. Ce que les gens ne savent pas, c'est que ça ne me coûte rien aussi hein, de décider que telle personne, je peux lui donner 10 000, je peux lui donner 20 000. Mais ce n'est pas l'objectif. Je vais te donner les 10 000 là. Mais tu ne peux pas faire 2 jours avec. Le mois prochain, tu seras toujours derrière moi en train de me demander les 2 000, les 10 000. J'ai voulu te former, je t'apprends à pêcher. Je vous apprends à pêcher. Et maintenant, pour les jeunes là, parce que les jeunes se lancent aujourd'hui beaucoup dans les web-séries. Les jeunes qui se lancent dans les web-séries là, beaucoup ont des lacunes. Parce qu'il faut toujours aller voir des monteurs. Et ça coûte cher pour payer un monteur. Et en suivant cette formation, tu peux lancer ta web-série, on crée ta chaîne YouTube. Déjà, même que moi, je peux même créer. Je crée la chaîne YouTube et je gère même ta chaîne YouTube. Je crée ta chaîne YouTube. Avec cette chaîne YouTube, tu crées ta web série qui comique. Tu montes toi-même. Avec le téléphone, même tu filmes avec le téléphone. Mais grâce à la formation, peut aussi être un influenceur comme toi. Bien sûr, grâce à la formation, tu peux être influenceur comme moi. Vous pensez que j'ai appris à être influenceur chez quelqu'un? Non. Je me suis levé un matin. J'ai commencé à regarder aussi ce que les autres influenceurs faisaient. Je vais vous dire, c'est comme ça. J'ai commencé à m'intéresser. C'est comme ça que je commence avec l'avantage que j'avais, c'est que j'étais déjà un monteur, je suis un cadreur. Et pour ceux qui pensent que ma gloire vient d'hier là, je suis à 9 ans de carrière dans le cinéma. J'ai dit 9 ans. J'ai créé les groupes de cinéma un peu de partout. À Douala, Bafoussam, Yaoundé. Pour ceux qui regardaient à l'époque Force de Frappe sur Canal 2 Movie, c'était moi le promoteur. J'avais un groupe. De cinéma à Douala. Mon groupe de cinéma s'appelait les Vision Movie Camer. VMC. Il y avait un groupe à Bétoua, dirigé par moi. Il y avait un groupe à Bafoussam. Il y avait un groupe à Douala. Il y avait un groupe à Yaoundé. 4 groupes. Et mon objectif était d'aider les jeunes. Parce que je partais dans les castings. Je voyais tout ce qui se passait dans les castings. Comment on exploitait les jeunes et tout. J'ai décidé que mais, les gens qui payaient pour tourner dans les films. Si mes acteurs de télé pouvaient témoigner, si quelqu'un a un jour payé, ou bien j'ai un jour conditionné quelqu'un pour lui donner un rôle, c'était ça. Mon objectif était toujours d'aider mes jeunes frères pour qu'on avance. Mais j'ai eu des coups. Je reviendrai prochainement pour des directs pour expliquer vraiment ce qui m'a découragé de fermer tous ces groupes-là. Quand tu veux aider le Camerounais, lui voit plutôt seulement, je ne sais pas, la méchanceté. Oui. Il y a les gens qui m'insultent, je vous assure. Même si, comme je suis en train de faire diète aujourd'hui, avec un moral haut pour faire cette formation, je vous assure, si je vous présente les injures que les gens viennent me donner, tu es à quel niveau? Tu ne sais même pas t'exprimer. Tu es un villageois. Tu es patati patata. Tu vas former les gens. Tu vas t'exprimer comment pour former les gens? Franchement, je ne sais pas si on appelle ça ou c'est la sorcellerie ou c'est quoi. Moi, je suis dépassé. Hein. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut bien s'exprimer pour former quelqu'un? Et vous faites tout ça, vous êtes au bar, derrière vos claviers de téléphone. Vous passez tout votre temps à jouer au Njambo. Vous ne travaillez pas. Dès qu'un autre jeune se bat, lui c'est sur le point de réussir, vous le traitez de tout. Oui. Demain, vous allez commencer avec je suis PD, je suis Depso. Quand vous traitez mon collègue là. Ne travaillez pas. Continuez à draguer les filles. Continuez à aller au bar. Continuez à jouer au Njambo. Continuez à aller jouer au jeu au hasard. Misez les 300 pour gagner 1 million. Ne travaillez pas. Ne coulez pas la sueur. Comme je passe mes nuits blanches, sans dormir, à travailler, à réfléchir comment faire pour réussir. Mais vous venez m'insulter. Insultez-moi. De toutes les façons, ceux qui veulent bénéficier de cette formation, vous êtes libre de bénéficier de cette formation. Et si vous pensez que c'est un jeu au hasard, ou bien c'est une blague,
Continue à croire que c'est la blague. Continue à croire que c'est la blague. Ceux qui m'ont écrit en demandant si moins de 25 ans peuvent suivre la formation, ça dépend, puisqu'il y a les critères. Les gens se demandent comment on va faire, comment on va procéder pour recevoir les gens, comment on va procéder pour recevoir les 50 personnes. Il y a un groupe WhatsApp déjà qui a été créé, ce que beaucoup ne savaient pas. Il y a un groupe WhatsApp qui a été créé. Ce groupe WhatsApp-là, vous êtes déjà plus de 85 à l'intérieur. Maintenant, dans la semaine, chacun va me présenter sa machine avec les caractéristiques, avec les logiciels déjà installés. Dès que c'est bon, ça c'est IB. Il ne mange pas dans le groupe. Ça c'est IB. Dès que tu me présentes ton âge, la carte, la photocopie, et au tout moment tu filmes avec ton téléphone, je vois, tu es éligible. Il y aura un second groupe maintenant pour ceux qui sont éligibles. Et maintenant, chacun aura le matricule. Chacun aura le matricule. Et à l'entrée, donc maintenant, tu présentes ton matricule. Tu entres. Tu n'as pas le matricule, tu es bloqué. Oui. Tu présentes le matricule, tu entres. Tu n'as pas le matricule. Il faut avoir l'expérience pour former. Et c'est tout. L'école ne sert à rien si cela n'aide pas comme cela t'aide. L'école est aussi bien. L'école est bien. L'école est aussi bien. Je suis allé à l'école. Hein? Oui. Je n'ai pas eu la chance de trop avancer. Je suis limité au niveau 2. Le BTS. Plus ma formation. Les parents n'avaient pas assez de moyens. Je suis dans une famille polygamiste. C'est très dur. La famille n'est pas aisée, le père n'a pas assez de moyens. Mais je me suis battu. Je me suis battu pour avoir au moins un petit niveau. Si je m'exprime mal en français, c'est parce que je suis technicien. Oui, j'ai fait l'enseignement technique depuis la première année. Ce que vous appelez la sixième. Depuis la première année, je suis en terminale. Jusqu'à la suite, même à l'université. C'est l'enseignement technique. Donc, je suis désolé. Voilà. Donc, je crois que s'il n'y a pas de questions, je crois que je vous ai déjà tout expliqué comment la formation va se suivre. Je ne vois pas de questions. Je ne vois pas de questions. S'il n'y a pas de questions, je vais arrêter. Mon frère, même j'ai essayé seulement pour placer les vidéos, ne sont pas faciles. Sois fort, bro, courage. Ok, ok. D'accord. Non, je ne sais pas si tu es... l'un des gars qui vont bénéficier de cette formation. Le premier jour même déjà. Vous allez voir. Rien que le premier jour. Vous allez voir. Ça sera vraiment du lourd. C'est purement pratique les gars. Je vous assure. Et l'heure. La formation va aller. Bonsoir Stéphane Killy. Bonsoir. La formation va aller de 10h à 15h. 5 heures de temps. Par jour. Il y aura une pause à 13h, une pause de 30 minutes. Donc avant de quitter la maison, il faut bien manger. Et quand je dis 10h, 10h c'est l'heure qu'on est dans la salle. Salut, je souhaite faire un témoignage en faveur du maître. J'ai été menacé par les faux marabouts. Mon frère, ça c'est pas la malchance. Les marabouts viennent faire quoi sur mes directs? On dirait que c'est le marabout qui m'a rendu ce que je suis là. Bouge avec ça sur mon direct. Sorcier. Bonsoir, s'il te plaît. Il s'agit de quoi? Je viens de me connecter. Bah, je ne peux pas expliquer la même chose 100 fois. Je suis vraiment désolé. Expliquer. Ceux qui veulent se connecter là, vous allez recevoir après. Déjà même que je risque de supprimer le direct après. Parce que je ne voudrais même pas que les gens m'étouffent même. À Douala, c'est 50 places seulement. C'est 50 places, pas plus. J'ai une question plus haut. Je n'ai pas vu ta question, mon frère. Repose un peu, c'est à traverser. Bonsoir, s'il te plaît, il s'agit de quoi? Je viens de me connaître. Le lieu de la formation et l'heure, s'il vous plaît. Waouh, j'ai à parler ça. École, collège Dauphine à Dorbon.
à Dorbon les jours de la formation. C'est très grave. Ouais, vraiment. Voilà, j'ai expliqué tout ça à mon frère. Voilà. Il est quelle heure là? 7h30. Voilà, il est 17h30 quelque chose. Le direct était prévu juste pour 30 minutes, hein. On aime bien aller au-delà de ça. Si les gens ne sont pas connectés à 17h comme prévu. Non, Bafoussam et Yaoundé, c'est mieux de patienter. C'est quand je finis avec les gens de Douala que je vais programmer. Depuis même que j'ai lancé la formation gratuite, là, j'ai reçu deux personnes, hein, de Bafoussam. Deux. Oui, à Yaoundé, Stéphane, j'ai eu, c'est après. Je vais faire un direct uniquement pour ceux de Yaoundé. Quand je vais finir avec les gens de Douala, je vais faire un direct. Oui. Pour les gens de Yaoundé. Bonsoir, j'ai pris le direct en cours. Il s'agit de quelle formation qu'on a, dans quel domaine. Bon, je suis obligé de laisser de laisser ce direct-là. Je vais plus supprimer, je vais plus supprimer, je vais publier pour que vous essayez de réécouter parce que les gens me posent des questions que j'ai répondu plusieurs fois. Voilà. Le direct était prévu à 17h00. J'ai commencé à 17h00. Il fallait être vraiment à l'heure. L'heure, c'est l'heure chez moi. Et c'est comme ça, même pendant la formation. Quand on dit 10 heures, à 10 heures, on ferme le battant. Si on est 20, on suit la formation, on continue avec la formation. Merci pour les cœurs. On continue avec la formation. 10 heures. Je sais que même si tu es dans les lobbies, même si tu es où, à Douala, à 10 heures, tu seras déjà là. Donc voilà. C'est pour cette raison que j'ai mis le 10 heures. 10 heures, 15 heures. Oui, 25 ans, à partir de 25 ans. Pap, oui, 25 ans en montant, 25 ans jusqu'à 45 ans. La menace new officielle. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Donc, je crois qu'on va se séparer. Je voulais remercier en clôturant. Je vais remercier tous mes fans. Je vais remercier tout mon public. Et un grand frère aussi qui m'a fait un dépôt aujourd'hui. Mais il m'a dit que je ne parle pas de lui. Il m'a fait un dépôt de 40 000. Il m'a demandé de ne pas parler de lui, qu'il ne veut pas le buzz. Voilà, que l'aide, il n'est pas obligé qu'on parle de lui. Bon, ceux qui veulent qu'on parle, on va parler. Ceux qui ne veulent pas, on ne va pas parler. Grand frère, merci, merci beaucoup. Merci, grand frère. Voilà, et le direct de la formation de Yaoundé va se passer après mon mariage. Oui, pour mon mariage. C'est dans quelques semaines seulement, d'ici la fin, d'ici le 20 juin. Ouais, c'est le 24 juin. 24 juin. Donc, ça me brûle, ça me brûle. Vous voyez que je lance même une formation à Douala en même temps que je suis en train de préparer mon mariage. Et je dois faire des vidéos pour vous faire rire. C'est trop de boulot. Merci pour ceux qui m'encouragent vraiment. Merci pour ceux qui m'encouragent. Ce n'est pas un travail facile, hein. Ce n'est pas un travail facile. J'ai fait parfois une semaine sans même dormir avec ma femme parce que je suis en train de travailler. Je suis en train de faire des recherches. Je me lève tous les jours à 3 heures pour me connecter, chercher des vidéos sur Internet, fouiller par-ci, par-là. Ce n'est pas un travail facile pour ceux qui pensent que c'est un jeu au hasard, là. On se lève pas un matin pour être vlogueur. Je vous assure, c'est trop de boulot. La menace. Voilà, et j'ai oublié. Hey, mec, la formation de Douala, là. C'est soutenu par Patrick Kenyekamge, le boss de Vuri TV. C'est lui qui offre même la salle. La salle là, à l'école primaire, à l'école, au collège Dauphine, à Dorbon. C'est le boss de Vuri TV qui offre la salle avec les prises qu'il va installer, tout, 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 tout. Même mon logement, ma nutrition, c'est lui qui gère. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un d'autre, machin. Tu donnes Vuri est bien, les gars. Ceux qui sabotent Vuri là, en tout cas. Ils savent le pourquoi, ils savent, ils ont leur contention avec vous. Mais moi, quant à moi,
Moi, je n'ai pas trouvé de mata, comme on dit souvent au quartier. Je n'ai pas trouvé de problème avec Vouri. Donc, moi, je pense que c'est un bon grand frère. Et je reviendrai avec un autre direct pour vous expliquer ce qui m'a motivé à signer le contrat avec Vouri. Vraiment, grand frère Patrick, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci. Merci, merci. Je suis vraiment reconnaissant. Grand frère, merci. Bon, les fans, merci aussi à vous, hein, parce que sans vous, je ne suis rien. Quand je passe partout maintenant, on crie seulement, oh Franco, Franco. Même comme une autre a dit que je suis laid. Je suis laid pour elle. Mais pour d'autres, je suis mignon. Hein. Je suis même trop mignon pour d'autres. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci, Bossy. Je vais arrêter le direct. On va se voir. Peut-être je vais encore faire un direct à la veille de la formation. Merci. Ceux qui viennent de se connecter, je vais publier la vidéo. Vous allez regarder. Merci. Et on reste en contact. Voilà. Mon numéro, c'est le 672 30 37 85. Mon compte en WhatsApp. 672 30 37 85. Passez une bonne soirée. Et paix. Tambimo. Attends. Le genre de français là me dépasse. Et paix. Tambimo. Il faut calmer tes nerfs. Hein. Tu n'as pas pris tes comprimés ce matin. Ou bien tu as pris, il n'y avait pas assez d'eau. Waouh. Ok, Anno. Merci aussi, merci à tout le monde. Je vais arrêter comme ça. Et j'ai lancé le direct. Ces jeunes-là qui vont suivre les cours ne sont pas venus me poser les questions. Je suis désolé. Quand vous allez me poser les questions après cette vidéo, je ne vais pas répondre. Quand vous allez me poser les questions dans le groupe WhatsApp, je ne vais plus répondre. Parce qu'on programme le direct, vous ne venez pas. Vous faites vos choses là-bas. Mais moi, je sacrifie aussi mon temps pour venir faire le direct, pour vous expliquer ce qui doit se passer. Vous ne venez pas suivre. D'accord. Merci, hein. Merci. Bon, les fans, bisous. Je vous love beaucoup. On est ensemble.